Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir à toutes fanatiques et auditeurs, auditrices qui branchent Radio Parler Haïti, Channel Parler Haïti, la voix du peuple. Salutations par nous spéciales, bon Dieu bénis nous. Et nous saluons toutes fanatiques qui sont internationales là, fanatiques qui sont dans le pays d'Haïti. Bon week-end, bon vendredi, que bon Dieu continue de protéger nous. Nous parlons droite, France LB, Rochnel, nous saluons Rochnel. France LB, t'es passé, bagaille facile, ok? France LB, qui te lage bandi a boule kay ti malere malerez yo. France LB qui te lage bandi lui a krasé kay koui de malere malerez. France LB pat kon gou et pénitence sa peuple tap tout était toujours ou dit mon peuple toujours a sibila et par rapport avec France LB qui lage on c'est des gangs pour terroriser population. Mais konya la chien mode metli chien commencer à saccager metli. Et bien c'est ça qui est important. Les bandi yo konnen moun pou atake yo. OK? Et bien après au fin déchèpier kay France LB, yo mette di fe nan kay France LB. France LB crié tant que c'est ti bébé. Mesdames messieurs, France LB crié parce que pour France LB, bandi yo prend toute saleté gen et yo boule kay la. OK? M'pa di encore, zanmi m comment nou ye bay détail, on aller. France LB kap crié nan moment n'a parlé là. OK? France LB kap crié nan moment n'a parlé là. Comment nou ye? Si pays d'Haïti c'est l'enfer, la planfer pour nous tous. Si pays d'Haïti c'est paradis, la paradis pour nous tous. Mesdames, messieurs, chef gang puissant, vite l'homme innocent sorti dans le silence, li pour l'autre fois encore, li souke pays avec déclaration sa yo. Et une déclaration qui la cause, eh bien, en pile citoyen haïtien en plus peur journée aujourd'hui. Une déclaration tout qui la cause plus de dans yeux. Une déclaration qui la cause divers moun ap koui kite la kayo, yo par contre, qui côté pour vous voir koro dans la minute n'a pas parlé là. Chef gang qui annonce yon pral faire plus de dégâts, yon pral craser plus, yon pral briser plus. Et bien la cause tout bon vrai, même autorité yon pas koné qui côté pour vous voir koro. Après monsieur yon ta fin annonce yon pral chercher kaye ministre, directeur général. Et bien vous me dites, gen en pile peur dans le moment n'a pas parlé là, dans la coupe pays d'Haïti. Alors bon, tout France LB qui c'est DGAI, police haïtien yon, li pas été dans silence. Li après bandit fin boulé et bien la kaili aye dans 117 li déclaré et bien sa bandit au même yo DFA li pas passé il déclaré tout mais qui est qui des mouvement ça li déclaré mais qui ça qui la cause les bandit au même il a fait toutes des autres ça il déclaré la mette canson la taille pour le bataille une nouvelle qui et bien fait un pile moun à babier dans moment puisque yo dit France LB s'il était capable faire ça yo l'état fait déjà payé pas jamais rivé dans situation côté le trouver là. L'autre bon tout faut me dire gain à États-Unis qui a peine nommé yon et ambassadeur dans pays a pendant et nous connaît pays les même li en pleine crise et bien États-Unis qui nommé et bien yon nouveau ambassadeur et nous pral capable porter plus de détails pour. L'autre bon tout Ariel Henry qui toujours trouvé n'importe où en bas surveillance FBI n'a pral gain tout pour nous partager plus de détails avec vous. Mesdames messieurs bon prenons seconde seulement pour me capable saluer après ça pour me venir avec plus de détails pour ça me pas oublier me pral vinn faire un petit parler avec nous tout concernant conseil présidentiel là côté délégation car comme dans eux-mêmes yo continuer à prêter tente qui ça acteur haïtien a dit yo te bail un délai 48 heures de temps pour toute bagaille était fini et ben yo bail un petit et tant toujours là pour capable eh bien et politiciens eux-mêmes yo dit ça y a dit. Mesdames messieurs, bonjour, bonsoir, tout dépend de qui côté à qui l'obtendez regarder émission ça. Si vous à peine rejoindre pas ça dans fil d'actualité, on a dit ou fait bon choix ou la caille information ou la caille 4 par 4 info tout ou sur la cou news grand la quoi qui là pour fournir un bon genre détail sur toute ça qui a dominé actualité ici de l'autre bord ou même où tu besoin gagner détail. Mesdames messieurs, dans chaque vidéo nous pour vous, nous toujours demander pour partager, commenter, liker émission. Yo manière pour capable aider une grande communauté noire plus que ou c'est seul sponsor média c'est là leur partager mes vidéos ça ou faire l'autre monde garder étendre leur abonner avec média ou inviter un monde abonner tout ou like vidéo et eh bien ou fait que nous content et ou fait que tout fanatique nous content qui toujours rete kwè sinon et bien ça n'a fait à eux même yo prend plaisir. Mesdames messieurs, rapide vite n'a venir avec information. J'aime déjà annoncer au gain Jimmy Cherizier alias Barbecue qui t'a pas cité et bien déclaration ça. Il t'a pas dit si pays d'Haïti c'est l'enfer, la l'enfer pour nous tous. Si pays d'Haïti c'est paradis, la paradis pour nous tous. Yo t'a annoncé fois ça, yo ouais tout bon vrai, yo ouais clair, géocalé, yo ouais qui est tout bon qui fait pays d'Haïti mal. Yo ouais qui est tout bon
qui voulait payer les mêmes les changer et ont été annoncé ils ont viré bouche zamio kounia sous politiciens sous oligarques sous monde qui pas voulait payer à marché et ben nous connaît monsieur Sao il a participé dans fait un pile crime dans pays et au fait connait ça cause même fait crime Sao c'est parce que politiciens chien dans pays servi avec yo ben très 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 mal pour capable faire yo ben pas problème dans pays ont annoncé au camper kidnapping ont annoncé au camper côté eux-mêmes, il y a goumé entre eux, côté eux-mêmes, il y a la cause plus zone, et bien, a effondré, a bien plus zone rouge, ils ont annoncé au campé sur toute bagaille ça, c'est révolution liée. Est-ce que Banzio, tout bon, est capable de porter un changement? Moi-même, m'a dit, m'a quoi là-dedans, non? Si vous-même qui des vidéos ça, c'est là-dedans, quoi, c'est dans Banzio, quoi, m'a dit, non, m'a quoi là-dedans, non? C'est vrai, Banzio la cause Ariel Henry li annoncé la première démission, les conseils présidentiels li même li m'ont installé. Mais m'abdou moi même, moi pap jam kouen nan Banzio parce que nous pap jam kapron pays pour nous la gil nan men bandi. Ça, moi même, moi clé sou li. Nous pap jam kapron pays d'Haïti pour nous la gil nan men bandi. Eh bien, c'est comme ça tout vite l'homme innocent qui t'a répondu à une question journaliste dans le pays ailleurs. Eh bien, lui fait connaître tout pour le supporter, mais pour appuyer ça, Jimmy Chérizi alias Barbecue Dia, lui fait qu'on est si pays a vraiment vrai, lui c'est l'enfer, la plan fait pour nous tous. Si pays a c'est paradis, la paradis pour nous tous. Et n'a tout lancé au mot d'ordre, côté, il a cherché Kai, directeur général, il a cherché Kai ministre, et d'après ailleurs, il a déjà metté du feu dans Santo, dans Kai, DGAI, police haïtien, yo, qui c'est France LB. France LB, lui-même, il n'a pas parlé, il n'a pas silencié, il n'a pas parlé, il n'a pas même indexé, mais qui est qu'a fait, eh bien, toutes actions dans le pays, sans lui-même, les pas citer quelques noms vraiment. France LB, qui n'a pas le fait qu'on est politicien pays d'Haïti, certains politiciens, yo, eh bien, utilisez influence, yo, utilisez capacité que vous gagnez pour alimenter bandits, pour la cause bandits, fait plus de violence dans le pays. Vous fait qu'on est, vous avez conseillé bandits, boule kay ministre, boule kay directeur général, pour capable, eh déstabiliser l'institution, pour capable tout déstabiliser le pays d'Haïti. Et là, pour vraiment, bandits, même, yo rapide, aller la kay France LB et al boule. Mais là, pour tout, depuis, ben bandits, vous avez fini boule prison civile, quoi de bouquet, vous avez fini boule prison civile pour le tout. France LB était déjà quitté kay la, puisque était la ville en danger. Si bandi ou capable casser en prison qui gagne toute policier ça a cap civé policier pas qu'à faire résistance c'est pas France LB qui t'a pas capable rester faire résistance dans mitan bandi ça dans la plaine mais France LB dit politicien yo certains yo mais alimenter bandi yo bay bandi yo moyen pour bandi yo capable faire zak violence pour la gagne institution à terre et pour capable déstabiliser pays d'Haïti net en entier mais inviter l'homme innocent qui était annoncé yo même yo à 85% de bataille là qui donc était 15% pour fin bataille mais il était fait qu'on est et dans jour qu'a venir là au bagaille près le pimiel il dit et les populations aider au gouvernement et n'a pas vrai en pile membre dans population yo vle tout bon vrai ben accompagner bandi yo pour capable faire plus violence dans pays mais m'a dit yo c'est bien compté mal calculé si nous pensons une cabaye bandi pays si nous pensons ben ça bandi a fait là c'est lui même qui bon c'est bien compté mal calculé puisque bandi pas grand ken frio capable porter pour pays de nek qui t'a dans prison de nek qui t'a de pas exister encore pour toute violence fait c'est au même journée jodi a là n'a porter sous tête n'a porter sous dos n'a mandé pour yo goumen nous ka remarquer tout gen pile et blogueur sur internet là quand pile nek tout qui dans média et ceci c'est des journalistes qui a encouragé bandi yo continuer faire zak violence alors monsieur l'autre bon femme dit ou chef gang en village de Dieu Izo tout ça qui pas suspend bay problème et bien selon ça yo média dans international là qui c'est BBC News yo même yo écrit selon article yo écrit yo fait qu'on est chef gang village de Dieu pour contrôle toute route l'emmène n'importe au précieux et chef gang nan et ben li utiliser influence li pour être capable et ben faire trafic drogue faire trafic zam et ben selon yon journaliste qui t'a étudié et ben sous ça qui relé gang en Haïti monsieur relé Romain le coup et ben li fait connait bandi Izo et ben li journaliste qui passe plusieurs années à étudier dans le pays d'Haïti, lui fait qu'on est chef gang, ils ont plus de pouvoir que même Jimmy Chérizier alias Barbecue, qui se porte-parole fédération vive ensemble. Jimmy Chérizier nous connaît qui ben, fédérer M. Sayo pour capable s'y mettre à tout dans le pays pour capable de jouer une amnistie. Eh bien, lui fait qu'on est
et je laisse ça faire qu'on est monsieur Sayo, yo pas gain pouvoir passer chef gang Izo. Yo fait qu'on est Izo tellement gain l'argent, Izo tellement gain pouvoir, lui même rivé et fait contrebande avec zam à drogue pour le capable et bien vendre à clot groupe criminel qui n'a pays. Donc nous imaginer qui valait pouvoir Izo lui même li gain et Izo lui fait il trafiquait drogue ça avec un pile pays qui dans Amérique du Sud là. Donc si nous est isolé même il va quitter pays là, c'est parce que il voulait rester dans pays d'Haïti toujours. Si on est capable trafiquer drogue mais en Haïti avec plusieurs autres pays dans Amérique du Sud là, c'est pas sauver le pas capable de sauver quitter pays. En tout cas madame monsieur c'est comme ça ça y est, nous même nous rester quoi a gagné un bagage qui fait quand même dans dernier. Faut dire tout gagne William Ruto qui c'est président pays Kenya qui t'a parlé avec tout Justin Trudeau, qui t'a parlé avec tout et ben yon présentant CARICOM, yo fait qu'on est yo ben et pas camper encore déploiement force multinationale là, mais au mandé faut gagner yon ben gouvernement qui valide cap gérer le pays pour yo même yo capable déployer tout pour venir dans pays d'Haïti puisque yo pas déployer tout pour venir là pour venir mourir pour venir dans jungle ça là pour venir perdre la vie pour rien. C'est ça William Ruto lui-même lui déclarer sur compte X li qui c'est ancien Twitter. En tout cas madame monsieur c'est comme ça la gayo moi même m'a dit nous si France LB li rive identifier m'a connait si c'est avec tout li ou bien si avec service renseignement pour ça rive identifier policier. Voilà mesdames messieurs, c'est pour ça nous t'attend déclaration. Attendez, on nous continue avant nous retourner sur dossier France LBA et gagner monsieur Radio avec Edeo qui voyait by CARICOM, donc ça toujours camper dans dossier CARICOM non. Gagner Renal Libreris et eh bien qui by plus détails sur proposition. Et eh bien parti que les red là, c'est parti monsieur ça qui le Renal Libreris li, OK? Alors Konya là, qui sa proposition dit eh bien monsieur pour expliquer qui ça lui même avec Claude Joseph Théal fait devant CARICOM et proposition paroi qui c'est red et avec aidé qui ça proposition ça yo et gladan yo mesdames messieurs malgré nous connaît CARICOM dit et bonne bête ça yo qui c'est politicien haïtien yo pas veut chita pour entendre yo chita bata entre yo et bien CARICOM voyer dossier devant Nations Unies et bien qu'on y a là malgré ça et bien gagne Renal Libreris qui parle bail détail qui ça proposition par là avec pas Claude Joseph là gien ladan qui ça yo t'a présenté devant CARICOM. Pour plus de détails, mesdames et messieurs, n'a pas tourné, restez branchés. Et le signataire de accord ça et donc yo proposé un ensemble de choses et by CARICOM et signature et nous ta cap dit proposition ça, l'hypothé non Claude Joseph Reynald Libreris, li gagnant ex-député à Odon bien-aimé de l'ENA qui rejoint une structure ça, il y a Jean-Oni Alexandre. Donc, nous capables de remarquer que il y a des gens qui étaient proches du Premier ministre Ariel Henry, qui eux-mêmes font des tours, ils allaient dans l'autre camp pour voir comment ils étaient capables de joindre une solution à la crise. Donc, alors, on a rappelé que, en dans proposition que Red fait, eh ben, il parlait d'un conseil présidentiel de 7 membres. Et si CARICOM n'a pas accepté le conseil présidentiel de 7 membres, eh bien, ils ont proposé pour y aller dans la Cour de cassation. Ça veut dire que c'est une autre fenêtre ouverte sous qui côté est capable de faire choix ça. Nous allons regarder ensemble avec Reynald Libreris, ancien secrétaire général au niveau du conseil des ministres au niveau palais national, qui lui-même était un franc collaborateur de l'ancien président Jovenel Moïse, épinglé dans un rapport ou bien dans un document, en pile mounou, il est un document que juge l'a mettait dehors parce que l'IPAT présenté devant juge l'an et puis l'IPAT pour au premier ministre. Hein? Alors, c'est ça qui est écrit dans le document ça que juge l'an prend. Donc, que l'IPAT mettait dehors. Hein? Puisque Renal Libreris pas d'accord pour être installé premier ministre Ariel Henry, monsieur épinglé dans question et ordonnance qui sortit sous assassinat du président a remarqué que ordonnance ça, en résumé, li épinglé et moun ki te franche collaborateur ki te proche président et c'est un bagay qui fait que en pile moun pose question et parce que yo pas pensé c'était comme ça ordonnance ta pral sorti et c'est un bagay qui fait grand pile fâché à terre même nèg ki gen zam nan men yo trouvé que ordonnance ça son ordonnance bien montée et que mesuré calculé réfléchi pour coincer moun ki proche président et en façon pour casser feuille couvrir ça puisque selon un pile monde qui en dans raid qui en dans aider de monde qui a demandé justice pour président Jovenel Moïse yo estimé
juge là casser feuille couvrir ça puisque gan pile présumé assassin yo t'a expliqué qu'il y a un dans gouvernement en place hein. Bon gouvernement qui était en place hein, mais maintenant qui très bouleversé dans moment n'a pas lié et nous gagnons invité déjà ensemble avec nous et Renal Luberis, bonsoir. Bonsoir Campagne, bonsoir Val, bonsoir Marco, GPPC, tout ça, scope là, salut nous, toujours un plaisir pour nous ensemble. Allô? Bonsoir Val, bonsoir Campagne, bonsoir Marco, bonsoir GPPC, bonsoir tout ça, scope là, toujours un plaisir pour nous ensemble. Très bien, donc Renal Luberis, Jodian, une rencontre qui a fait dans CARICOM, nous est que aussi un... Et yon document, yon proposition commune avec RED, avec compromis historique et des alliés, côté que nous faisons proposition, puisque il était question de proposer et en question collège présidentiel. Donc maintenant, en résumé, c'est qui ça nous dit en proposition ça? Concrètement, merci pour la question. Concrètement, c'est que le pays a une situation côté que l'IPAC a arrêté tant. Côté, et nous avons l'impression que le pays est en mode de gouvernance, en mode automatique, en pilotage automatique, qui sont situations très graves. Côté que contrôle appareil sécurité au pays, nous avons perdu tout contrôle net, des prisons crasées, des exactions graves à faire sous population. Donc, il faut gagner, il y a un bagage qui dit, et nous pensons que c'est responsabilité élite politique, élite économique et religieuse, ou bien dans l'autre secteur, nous avons le secteur vital dans la société, pour nous joindre un compromis, pour nous joindre un bagage. Donc, dans ce sens, ça, dans le niveau RED, RED, c'est une plateforme résistance démocratique, c'est une plateforme qui réunit un ensemble de partis politiques et d'organisations. Dans la discussion, nous avons eu avec un autre groupement, regroupement politique qui s'est compromis historique. Nous essayons de garder pour nous qui meilleure formule qui va permettre que nous sortions dans sa nouée là. Ce n'est pas une formule qui est plus bon ni pour RED, ni pour compromis historique, ni pour un groupe qui est dans RED, mais plus bon pour la société. C'est ça qui fait nous faire un effort de dépassement. Donc, des groupes, par exemple, qui traditionnellement ou bien normalement des groupes rivaux, nous essayons d'associer parce que nous pensons que ça gagne là, je dis, ce n'est pas un bagage yon moun liye, c'est un bagage tout haïtien. Et seuls gens, pour nous sortir dans ce sac-là, il faut que nous associions tout le monde, toute force vive, nation là-dedans. Maintenant, si on a besoin de prendre pouvoir pour lier avec le groupe PAL pour contre lui, c'est dans l'élection pour l'aller. Donc, on a besoin d'une solution et. Immédiate, une solution concertée pour nous capables de retirer le pays dans sa lire. Dans ce sens, nous faisons proposition à la nation haïtienne. Évidemment, et les partenaires nationaux et internationaux d'Haïti peuvent en tenir compte, mais c'est surtout une proposition nous fait à la nation haïtienne. Nous disons que nous-mêmes, mais qui j'en ouais, que nous avons supposé résoudre les crises qu'a traversé le pays à la Konya. Alors, Renald Luberis, m'a regardé côté que nous proposer dans le scénario 1-1, un conseil présidentiel qui a bien la donne, collectif du 30 janvier qui a bien un membre, plateforme résistance démocratique RED aidé et allié qui a bien un seul membre, bien petite Dessalines et Réveil national qui a bien un membre, compromis historique et allié qui a bien un membre, accord 21 décembre un membre, Montana Famille Lavalas et allié un membre. Ça c'est dans le scénario 1. Mais dans le scénario 2-1, nous dit et au cas où yo pata accepté scénario 1, eh bien nous pourrons aller dans la cour de cassation côté que selon article 174 175 de la constitution pour yo capable choisir et yon juge à la cour de cassation. Maintenant et nous parler de on choix au premier ministre côté que a gagné chaque organisation politique ça yo nous te saute parler là yo qui a gagné qui a désigné un premier ministre qui ministrable. Et comme ça, l'ensemble des premiers ministres ministrables, ils ont réuni et ils ont choisi un grain. Et restent à eux-mêmes, en fait, et à vin ministre. Et est-ce que dans le scénario 1, en attendant, mal dans le scénario 2, est-ce que proposition nous fait, t'as voulu dire, nous jouons un accord, tout groupe ça, nous cité là, pour nous sortir, pour nous faire proposition? Ou bien nous juger que nécessaire pour nous mettre moun sa yo, même si ce n'est pas un accord que nous jouons avec yo, mais nous estimer si un collège présidentiel, et donc yo c'est de force en présence, yo ta dû faire partie. Bah nous précision pour nous connaître clairement, avant d'aller dans la deuxième question, est-ce que c'est avec accord yo, ou bien c'est juger nous juger nécessaire pour participer là-dedans, qui fait que nous fait proposition comme ça, dans le scénario 1. Et merci, Ampil et Campagne. Et on nous a dit que.
nous avons activité n'a fait qui concernait et toutes les médias dans Port-au-Prince. Et nous pensons que y a un ensemble de médias qui travaillent, etc. À ce moment-là, nous n'avons pas besoin de demander chaque média et ça le penser pour nous inviter, parce que c'est deux voix, nous, c'est nous avons fait une liste pour nous mettre tout le monde là-dedans. Maintenant, ce que nous a dit que moi-même, pour des raisons X, Y, je ne pas participer, je ne vais pas aller, c'est choix. Mais nous pensons que, honnêtement, si nous avons fait une proposition, nous pas supposé tenir compte seulement de alliés politiques, nous. Nous pas supposé tenir compte seulement de monde nous gagne accord avec eux. Nous supposé dire que si nous avons besoin de faire un collège présidentiel inclusif, un conseil présidentiel inclusif, mais qui structure politique et associative nous a supposé inviter. Donc nous pas gagne accord avec nous. C'est un travail objectif, côté que nous prenons distance, nous gardons mosaïque qui composait et environnement politique national là pour aujourd'hui. Nous disons que si c'est aujourd'hui, nous avons besoin de faire un bagage inclusif, mais qui structure nous supposons mettre là-dedans. Évidemment, il y a une structure qui n'est pas nécessairement là, parce que nous connaissons un pile parti politique, un pile initiative, mais nous disons que pour le moins, et si nous mettons ça, nous avons un bagage qui est plus ou moins inclusif. Bon, après, nous avons une série de structures, nous mettons et alliés, parce que nous n'avons pas l'autre structure politique qui n'est pas nécessairement là, comme son bagage qui a 7 personnes là-dedans, ou pas qu'à mettre 100 personnes non plus. Donc, ce n'est pas avec accord chaque monde, chaque structure politique. C'est nous dit que si nous faisons un bagage inclusif, nous ne pouvons pas quitter la structure ça dehors. Sinon, nous faisons un bagage et puis l'autre va le contester et puis il va paraître consensuel vrai. Donc pour nous faire un bagage consensuel, il faut que nous tenions compte de tout le monde, y compris le monde qui n'est pas d'accord politiquement avec nous. Ok, donc cela veut dire que, parce que moi, tu as regardé sous les réseaux, moi, il y a deux structures qui prend distance avec proposition ça. Donc c'est parce que nous avons besoin qu'on ait, est-ce que. C'était à quoi aucune des joignes? Est-ce que c'est un signal? Est-ce que c'était signal? Ou bien c'est nous-mêmes, j'ose dire, qui jugeait l'innécessaire pour que si gagnent en décision qu'après et que succès ça a doué la donne très honnêtement? Exact. Ok. Les maintenant, deuxième scénario. Expliquez à la population comment vous comprenez. Comment vous devez comprendre deuxième scénario? Kounyan, dans le cas où premier scénario, il n'est pas appliqué. D'accord. Dans le cas de. Premier scénario, on tape juste et porter une petite précision. Pas de problème. Évidemment, nous sommes zélés. Évidemment, nous pas nécessairement contacté tous les groupements que nous mettez là. C'est nous pas fait même démarche raide avec compromis historique, pas fait même démarche avec l'autre monde. Parce que l'autre proposition, yo retiré des groupes. Yo dit le groupe ça me barre mes têtes libres, me barre mes formes têtes libres. Tel groupe dans opposition avec me retiré. Me font tant qu'on tape compose un gouvernement, le me saute dans l'élection. Oh, nous passons dans l'élection. C'est un gouvernement de transitoire, nous avons proposé, nous pensons que l'important pour nous est inclure tout le monde. Si le monde ou bien structure n'est pas d'accord pour la donne, à ce moment-là, on ne va pas forcer, il y a remplacé par l'autre structure. Mais nous pensons que Kounia, c'est une proposition qui paraît plus équilibrée par rapport avec toute proposition qu'a faite là. Maintenant, étant donné que son structure qui vient de l'eau, et des monde qui ne doit pas retrouver la donne, nous dit que si jamais, pour une raison ou l'autre, nous pas entendre nous sur structure ça, par exemple, monde ça a dit que organisation ça a dit que bon nous pas voyer monde parce que nous avons besoin de trois monde dans conseil là, son seul monde bah nous pas là dedans encore, ou bien nous avons besoin de tout conseil là pour nous seulement, nous avons besoin de trois monde, quatre monde, cinq monde, sept monde dans conseil pour nous. Donc si c'est ça nous pas là dedans encore, pour éviter perdre du temps, nous allons envisager le deuxième scénario hein, qui c'est scénario institutionnel là, qui c'est cour de cassation. À ce moment là. Dans la cour de cassation, nous connaissons un paquet de juges qui nommés de manière irrégulière. Donc, les juges, ça, n'a pas écarté. Et puis, les juges qui sont nommés régulièrement, c'est-à-dire, en fait, suivant l'article 174 et 175 Constitution, à ce moment-là, nous avons tout à fait envisagé et y en a dans eux qui pour conduire, en fait, une transition et provisoirement pour un délai qui très court pour nous capable de mener le pays à. Non, ça nourrit les normalités institutionnelles et constitutionnelles. Maintenant, qui j'en prévois, et si y a gagné en installation de, d'Acadie, y a un collège présidentiel, ou bien dans la cour de cassation, comment prévois que l'installation ça a fait au niveau de la présidence et du palais national et au niveau de la primature, le n'gade, qui j'en, ensemble de groupes y a même qui empêchaient. Premier ministre Ariel Henry retourne dans le pays, hein? Monsieur Azam Sayo, si vous n'êtes pas d'accord, qui j'en a fait? Qui j'en prévoit fait? Qui force? Est-ce que c'est la police nationale? Est-ce que c'est l'intervention d'une force étrangère? Comment nous imaginer l'installation à fait?
Bon, et c'est ça qui fait nous proposer et, quelque chose qui gagne la dernière plus ou moins mosaïque et politique et rapport de force qui gagne souterrain. Maintenant, et, nous avons des institutions régaliennes et, qui la pays, même si ont montré clairement et faiblesse. Et faut que nous arrivions, je pense que honnêtement, faut que nous arrivions faire un balancement entre et, dialogue et force. Et pour capable faire pas quoi que et une fois que gagne une décision et collective qui prend qui consensuel pas quoi que gagne en quel groupe qui gagne intérêt pour empêcher le fait parce que tout le monde cap parler y compris ça cap commettre des exactions sous population là on parler de Haïti on parler de nécessité pour et gon pi bon Haïti etc. C'est ça m'entendez donc dans cas ça m'pas quoi que gon grand haïtien jodi a qui gagne intérêt empêcher appliquer une solution non pays qui en mode pilotage automatique côté. Voilà compatriotes et n'a continuer avec information ben nous allons retourner sur dossier et France LB. Eh bien, bagaille mélangé pour France LB. Eh bien, France LB longe doit être li sous plusieurs politiciens qui t'a derrière Zak ça. Eh bien, il s'est dit et ça bandio fait côté bandio boulé Kaili, c'est politiciens eh bien qui voyait bandio al boulé Kaili. Mais France LB pas connait les bandio t'a boulé Kaili malheureusement. Par exemple, moun la plaine, moun et Kafoufei, c'est France LB lui-même qui t'a voyé bandio al fait ça. Eh bien, France LB eh bien, ça clair, c'est chien qui va démettre lui, ok? Chien va démettre lui, ou pas gagner rien, ou pas plaire. Et ça, ou pas vivre là, gagner pile pour cap vivre les tout, ok? Alors, plus de détails sur le dossier France LBA, mesdames, messieurs, cap crier là, eh bien, qui longe doit être lui sous plusieurs politiciens, mais c'est eux qui sont dans l'opposition, il dit, et qui fait bandio al boule Kaili de la tête aux pieds. Rete branché, entendez, plus de détails. Qui est cadéral là, dans plein temps, qui pas occupé? Donc, phrase ça peut-être capable d'attirer attention. Mais déjà, une direction générale a frappé fort. Comment vous faites connaître ces politiciens qui utilisent gang pour aller bouler Kaili déjà? Comment vous faites connaître? Bon, peut-être vous êtes capable de gagner des informations. Non, mais la police n'est pas dans la politique. Bah, c'est au moins. Et ça que tu as pris professionnel, c'est à annoncer ou bien l'ouvrir une enquête au plus vite pour qu'on ait arrivé Kaili déjà. Qui est-ce qui d'elle? Mais si nous êtes dans moins de 24 heures sur son note pour nous accuser. Des politiciens qui t'a derrière ça moi mon petit Jean Pierre dit est-ce que n'était au courant que bon comme il y a des politiciens tout qui qui ont même assumé ça qu'a fait là oui mais ça pas voulait dire que il était obligé d'attaquer Kaili déjà par contre vous comprenez bien doit gagner des politiciens qui sous une forme ou sous une autre a affirmé ou bien et assumé sous voulait ça qu'a fait là qui portait Mac Fabrique nèg examio. Mais dit comme ça que ces politiciens qui utilisent gang pour l'attaquer ou bouler Kaili déjà, pas dire pas ça non, mais estimer que direction générale a frappé fort. Peut-être aller trop vite. Oui, peut-être aller trop vite. OK. Je dis que manœuvre ça yo, pas gain l'autre objectif que chercher déstabiliser l'institution police là pour payer en cas tomber à terre plate pour capable arriver à atteindre objectif politique. Direction générale police là profiter rappeler une autre fois encore que directeur général là, commandant le commandant avec tous les policiers ont été mobilisés pour combattre toute gang avec acolytes qui voulaient semer la trouble tout partout dans le pays et puis protéger la population avec bien les gens constitution mandé ça. Donc c'est fait note là qui peut être date 14 mars 2024 donc après attaque à pillage bandit examen fait dans résidence privée directeur général PNH la France LB dans Santo 17 John. En tout cas, quel que soit Jean yon moun ta décidé comprendre ça arrivé direction générale pas direction directeur général de la police là. Quel que soit Jean moun ta décidé ouais ça qui arrivé Kay, ça qui arrivé résidence privée Monsieur Franz Elbea, quelle que soit position, commentaire, opinion, avis ou sous ça, bon grain de bagage nous ta doit entendre nous souler. Ça crivé à li grave. Li très très grave. Ça blanc français ta car il est gravissime. Nous pas parler de caille un simple citoyen. N'a pas parler de caille
un directeur général de la police nationale d'Haïti. Le numéro un souvelé de une institution qui a un rôle capital, yo joué ou bien li joué dans la chaîne de sécurité en pays. C'est pas parce que Nabdi là que bandi gen doit attaquer kayon simple citoyen et que le pa gen doit attaquer kayon directeur général de la police. Non, c'est pas ça nous dit. Nous dit ça, c'est parce que n'a parlé quand même d'un directeur général de la police et lors du directeur général de la police, nous partis avec l'idée que c'est une personnalité, c'est une chef, c'est une grande autorité qui peut bien sécuriser un pays. À l'instar peut-être de un premier ministre ou bien d'un super ministre. C'est ça que fait nous sous-entendre tout. Résidence privée, un directeur général de la police, pas plagué dans le libre comme ça. Et ça que fait au départ, nous poser question, ça avait. Résidence privée LB, est-ce que le pas de gain? Bon, on dit déjà pas habité là. On dit famille déjà pas habité là. Mais comme c'est la résidence privée du directeur général, donc nous t'es supposé au moins t'es qu'à gagner des agents qui sécurisent l'espace là. Mais quand il y a la, si ça arrivait, qu'à directeur général de la police là, si ça arrivait, premier monde qui a une responsabilité, ou bien il y a un premier monde qui a une responsabilité, rétablir l'ordre avec la peine de pays, pas mandé pour un citoyen lambda guerrier qui a un kaili, soit dans plein nord, ou bien n'importe l'autre côté, bandi a taille bandala. Qu'on y a là, il y a deux bagailles pour capable de dire tout. Est-ce que ça crive à capable de fouetter orgueil de GIA pour le dire bon, c'en est assez, bon, là, si vous arrivez à attaquer, quand même, donc c'est certain, bagala pour l'autre dimension, donc là, pour obliger, ouais, stratégie, pour obliger, ouais, mode de direction là-bas, PNH, là, obliger, ouais, Jean la paix, gérer question gang, ou bien question insécurité, là, et du coup, le passer dans phase supérieure. C'est-à-dire, si l'été a avancé dans phase 1, dans quatre batailles contre le grand banditisme et la grande insécurité souvelée dans le pays, de l'Ikazi, ça qui vient à faire passer dans 2, qui fait passer dans 3, etc. Il a pu frapper pied la terre, ou dit non, là, il y a trop fort. Ça, c'est d'un côté. Mais de l'autre côté, tout, l'Ikazi, on va rien libre pour les gens ou bien pour les gens qui marrent ceci sur les gens pour s'y mettre la trouble dans le pays. Barrière libre, en ce sens que vous avez dit, bon, si vous avez pris ou bien vous avez attaqué, vous avez pris, vous avez boulé, le directeur général, la police là, donc c'est certain, vous avez pris, vous avez boulé dans le plein là encore. Vous avez pris, vous avez boulé dans de l'autre territoire qui est contrôlé par des gangs armés encore. Par contre, c'est là. Mais ça paraît plus inquiétant, guerrier du seul, c'est que depuis une semaine, coalition gang yo, en Babanye vivent ensemble, te annoncé ou lancé une opération en de pays. Qui sa opération? C'est chercher DG, chercher ministre, chercher un ensemble de politiciens qui étaient très zélés dans supporter Ariel Henry. Donc, est-ce que ça arrive à là, nous capables assimiler la opération pareil, puisque France LBC, yon nan directeur général de pays, et pas des moindres, directeur général de la police nationale d'Haïti, point d'interrogation. Est-ce que ça crive à c'est un hasard, son cas isolé, point d'interrogation? Est-ce que ça crive à li son choix calculé, point d'interrogation? Et j'en ai dit tout à l'heure, si nèg yo ka pran direction ça, et pour arriver à faire avec facilité, quel que soit moun ou ta ka di gen derrière yo, ou bien quel que soit moun ou ta ka di qui m'a ressourci ça avec yo, li yon ti jan inquiétant. Pour l'avenir, parce qu'on ne connaît pas demain matin qui est ce prochain directeur général là, qui est ce ministre là, ou bien qui est ce politicien qui peut-être pourrait passer en bas ou l'on est. Peut-être si c'est toujours cas là, même si ils sont grandes pertes, donc capable de dire plutôt ça malgré ça, parce que c'est bien matériel quand même, mais si sont l'autre bagaille du genre à tête à vie, moun, qui est en question, ou bien qui est en question, il est capable de plus grave. Maintenant, comment faire pour éviter le pire ou bien pour freiner Nexayo dans vaste opération sa relancer si effectivement attaque qui fait sous Kaïdéja ta rentré
dans le cadre d'opération pareille. Sacrivé à guerrier de seul, lui dit nous tout simplement que même le directeur général de la police nationale pas à l'abri. Mm-hmm. Donc nous autres, comme simples citoyens, nous n'avons pas l'autre choix que arranger nous-mêmes pour nous rester vivants. Même j'en ai toujours abdi ça dans l'espace-là. J'en ai examiné là, j'en ai pas agi là, c'est certain, il n'y a pas d'état d'âme, donc pas de monde qui vit VIP. N'importe qui est souillé, n'importe statut ou gagné, n'importe rang, grade, qualité ou gagné, on joue bien l'autre ou capable victime, on joue bien l'autre, très insécurité à capable passer près. En témoigne, ça crivé, Kay directeur général de la police, qui vient faire qui ça? On moun qui gagne en responsabilité, il a toujours dit ça depuis plusieurs années dans le pays. On est une femme qui a une responsabilité quelconque pour participer dans mettre sécurité dans le pays ou bien dans permettre l'ordre avec la paix retourner dans le pays pour une raison bien pour l'autre. Ou pas jouer Wolza, ou pas jouer partition Paola dans ça. Donc demain matin, on doit retourner contre tout. Nous pas dit c'est ça crivé. Directeur général de la police, là. Mais il est dans l'ordre des choses possibles. Ouais. Maintenant, si ça arrivait, le directeur général de la police, le numéro un de l'institution policière, et qu'en est-il de l'autre agent? Agent 1, agent 2, agent 3, etc. Qui ont même été déjà à courir. Non, ensemble de zones d'autorité, parce que les examens sont envahis. Et moi, qu'on est des policiers, guerriers de seul. Dans le moment où on a parlé là, qui dans des abris provisoires, qui te courir, qui te la caille, soit parce que gang envahit zone côté yo, soit parce que tout simplement, gang boulon, quand c'était caille parmi yo, caille. On va parler de policiers. Policiers. Oui, oui. Mm-hmm. Policiers. Mm-hmm. Yeah. Il me semble j'ai gagné plusieurs groupes policiers, même syndicats, tu monté au créneau pour te dire que la direction générale a gardé qui ça a fait. Pour être capable d'assister les policiers, soit dans aider et joindre de l'autre espace ensemble avec la famille, ou bien accompagner pendant le côté. Bon, jusqu'à minute, on a parlé de ne pas quoi gagner qui fait. Jusqu'à ce que les policiers qui étaient savants de pistache, qui étaient carrefour-feuille d'une façon générale, quittent, jusqu'à ce que les policiers qui étaient pernier, les policiers qui étaient torsel, obligés de courir, quitter, il y a des policiers qui étaient plusieurs zones en de quoi des bouquets qui obligé courir quitter la caillou et je dis à ce directeur général de la police là côté dit il pas habiter là ou il pas traiter là ça c'est business privé on fait certain c'est quand même ouais, c'est résidence c'est quand même c'est résidence privée quand même. Mm-hmm. Donc ça t'est arrivé demain matin il pas directeur général de la police et puis il décide de vivre dans le pays à toujours et puis il retourne la caillou. Peut-être que je dis à l'Icaron résidence à la hauteur de fonction, il a peut-être habité dans les hauteurs de Pétionville, de Frère, etc. Vous comprenez? Mais on dit pour résoudre pour l'autre dans les prochains mois, dans les prochaines années, il n'y a pas de directeur général, il n'y a pas de tourner la caille. Mais je dis à la, s'il n'y a pas de directeur général encore, là, il va l'obliger, locataire, même j'en paquet de mon dans le pays. Pendant ce temps, je suppose, il investit plusieurs années, temps, l'argent, pour les construire ça. Et ça fait longtemps, monsieur, à pas attaquer de symboles. Ouais, attaquer commissariat yo, qui est occupé par des policiers et forcer au quitter espace ça ou mettre du feu là dedans donc c'était déjà annoncé que t'a privé dans un niveau ça attaquer par exemple palais de justice Port-au-Prince qui est là dans des juges qui est là dans le doyen qui est là dans le commissaire gouvernement donc son l'autre symbole son message encore, de vous, qui attaque et fait que primature qui était dans la zone boulevard La Saline, non, pas fréquenté encore parce que l'autorité au père de San Nadan, donc son lot attaque encore à symbole l'État. Donc, rivé jusqu'à résidence privée, directeur général, là encore, c'est pire. Oui, bien sûr. Oui. En face des situations comme ça, il y a quand même de quoi à craindre le pire. J'en dis la guerrier de seul, les bandits décident, c'est qu'il y a directeur général, la police n'a pas attaqué, c'est sous-commissariat, il n'a pas attaqué, c'est commissariat, il n'a pas attaqué, c'est des institutions que nous capable de dire que c'est des symboles de l'État, vous comprenez? Il n'a pas attaqué. C'est la justice, c'est le pouvoir. Nous obligés de commencer
mettez les mains sur la table, vous dites, ah, est-ce que nous allons aller à côté qu'une patte souhaitée? Et vous faites tentative, vous prenez un des plus gros symboles là, qui c'est pas les nationales. National. Week-end, ça peut être, ouais. Bon, je vous dis, à même exactement fait 8 jours. Ouais. Depuis que les bandits ont fait un assaut sur chaîne Master, ils ont gagné un viseur, plusieurs infrastructures publiques, tant que le CMPAP, le commissariat de Port-au-Prince, et base Udmoa, tant que la Cour cassation, tant que le palais national, etc. Et même le ministère, ou bien le bâtiment qui logeait le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Bien que, faut que nous disions ça, donc ils ont bien joint tout. Ils ont bien joint tout, la police te répond de manière musclée à ce yoa. Est-ce qu'il y a un monde qui t'a dit non, pire que ça, les bandits, alors les assassins rentrer la caille président de la République là, assassiner sans pas gagner un monde qui blessé. Bob Daddy pas grand chèque mourir. Donc, pas quoi gagner pour nous encore. Non, mais sauf que guerrier seul petit bémol m'a metté dans démarche comparative ça rentrer là-dedans là. Pour l'assassinat du président de la République, ou d'accord, sous bien comprendre Bagala, c'est tout un complot qui est orchestré. Complot, il y a là-dedans des gens qui proches président, probablement. Il y a là-dedans des gens qui sont amis président. Il y a là-dedans des gens qui sont entourage président. Il y a là-dedans des gens qui sont habitués par la président. Il y a là-dedans des gens qui travaillent à président. Il y a là-dedans des gens au niveau international, là, probablement, qui supportent le président. Donc, comme il dit ça en créole, complot pirate. Passer Wanga. Donc, nous plus ou moins, parce que nous d'accord ça, non, mais nous comprenons ça. Mais qui est différent, laisser un groupe nègre, exam, et qui décide, Jodia, qui va prendre une telle zone, oui. Pas un droit de dormir. Qui décide, ou même qui fait 20 ans, 30 ans, ou a construit un caille, ou pas un droit de jouer. Et il y a fait, et il y a fait dans la zone ça, Jodia, demain, il y a fait dans l'autre zone là. Après demain, on fait dans l'autre zone. Jodi a c'est où, demain c'est lui, après demain c'est moi. Ben, ça beaucoup plus grave toujours. T'as bien vu? M'a pas minimiser ça qui fait président. Même dit par rapport avec tout ça qui dit, ou plus rendre compte dans le cas président de la République là, son vaste complot. Donc, vous pensez que c'est le bail qui fait dans le bureau niveau? Avec dit, vous planifiez ça, vous faire, qui aboutit à l'assassinat président. Mais là, par exemple, Jodi a la route de Richard Van, et puis, les gars décidé d'envahir. Vous, mon allé, ou bien tout, yon passe dans une zone, yon boule kay, yon krasé kay, yon passe demain matin dans l'autre zone, et puis y a des gens qui, pas forcément, nous partons avec l'idée de ça, qui pas forcément dans le temps, qui pas forcément dans de connivence avec yon, qui pas forcément poisson dans le krasé dans le avec yon, et puis qui décide, par contre, soit arrêté bras croisés, qui t'a frappé, ou bien qui décide de paraître inactif, qui décide de paraître passif. Donc c'est quand même de manière différent. Mais j'en se dit là, nous pensons, avec sa cas privé, il y a de quoi craindre de pire. Laissez un directeur général là, vous laissez attaquer Kaili, ça veut dire ça le dire. Même j'ai tout le été attaqué par la justice pour le président, nous te dit en bas, ça veut dire ça le dire. L'un qui a décidé qu'on y a là, c'est des autorités qui c'est des autorités qui très stratégiques dans l'organigramme sous l'administration publique là, il veut dire ça le dire. Et là, m'a le zon bagay là, moins décidé pas dire non. C'est juste pour mon bavin dire c'est moi qui vais aller attaquer la caillou, mais il y a des alertes sur plusieurs autres résidences au niveau de plein nord. Oui, il y a des alertes. Qui sont plusieurs autres résidences des mondes qui dans l'état au niveau de plein nord. Maintenant, qui ça qu'a fait, qui ça doit fait pour éviter que demain matin, gagne un prochain directeur général qui attaque, qui pille, qui vandalise, qui saccage, qui incendie, par contre. Ils ont attaqué la pénitentiaire nationale, ah. Ils ont prison pays, hein? Libéré prisonnier. Donc c'est. Faut ajouter ça. Lors de libérer prisonnier, vous savez de gros prisonniers. Prisonniers, oui. Prisonniers, gros jupons. Gros prisonniers. Bon bagage pour comprendre. Lorsque l'État ou bien c'est les dirigeants qui ont dirigé, donc faut qu'on fait preuve de roue comme dirigeant. Donc, l'organe pour ou pas combattre Zach Badio, j'aimerais gagner ce deal d'ailleurs, ou prendre, alors Badio gagne à l'aise pour faire tout ça. Donc, à chaque fois que vous plan que vous gagnez, vous arrivez à atteindre plan, donc il n'y a pas avancé. Donc, si vous pas freiné, ça arrive que la privée
puis pire toujours que ça que nous là. Et ça fait moi t'a regardé un film côté que il montre que dès vous pas combattre bandi guerrier bandi combattre. Oui. Donc c'est clair. La bavayo en tout cas pour répéter Média Libre Haïti, donc quand la PNH est attaquée et frappée dans son plus haut symbole, donc le pire est à craindre. Le pire est à craindre. Là, par exemple, où apprennent gagner des ambassades qu'on y a là, qui soient évacués personnel et qui fonctionnent avec personnel essentiel. Le pire est à craindre, par exemple, les ambassades américaines. Ils vont en première cohorte soldat, viennent sécuriser l'espace là. Ou même qui pensaient que jouer avant avancer situation à Pontigeant, ils vont en deuxième cohorte. Le pire est à craindre, guerrier du seul. L'autorité allemande a presque fait même bagarre là, avec personnel diplomatique qui a gagné dans le pays, soit évacué. Le pire est à craindre tout, les gagnés des ambassades qui carrément ont fonctionné avec un personnel réduit. Vous comprenez? Donc, et vraiment l'essentiel, la majorité employés soit aller en République dominicaine ou bien aller dans le pays tout carrément. Le pire est à craindre, le par exemple Nations Unies, et fait même bagarre à tout, et selon l'information, même sollicité un pont aérien entre la République dominicaine, et Haïti pour capable permettre que y ait des employés qui arrivent et qui aient bureau Nations Unies dans le pays. Le pire est à craindre. Guerrier, c'est le par exemple la République dominicaine, les mêmes li annoncé, selon ça moi-même, moi li sous métronome Haïti, que aéroport international, on a parlé de aéroport Isabella, Joaquin Balaguer, ak Barahona, yo même yo disponible pour capable transporter matériel avec des aides humanitaires vers Haïti. Nous soulignons aide humanitaire là, donc c'est la preuve que je dis à la crise humanitaire frappe à nos portes, et il y a 10 décisions à prendre dans le cadre d'un pont aérien, je ne vous dis pas tout à l'heure, que les Nations Unies, lui-même, était sollicité avec la République dominicaine. Et pour répéter, métronome, ça qui laisse une couette au guerrier du sol, que je dis à réouverture à l'aéroport international, parce que l'ouverture là, c'est pas pour demain. C'est pas pour demain. Aéroport international, parce que l'ouverture là, pas pour demain, en parlant de réouverture. Ouais. Parce qu'il y a déjà cherché l'autre. Notre alternative. Alternative, hein. Donc, le pire est à craindre. Il y a des organisations qui commencent à tirer sur net d'alarme. Par exemple, PAM, qui parlait de possibilités pour quantité de monde qui grand goût dans le pays a augmenté. Par rapport à l'assistance que vous avez, et je vous dis à le fait que le pays a paralysé dans le niveau ça. Donc, vous venez de mener opération dans le pays. Et nous avons déjà un chiffre alarmant. De monde qui a une insécurité alimentaire dans le pays, il y a des monde qui pas qu'à manger, et monde qui ont une situation d'urgence qui vient presque doubler. Donc les en face situation ça, le pire est effectif, est effectivement à craindre. Et jusqu'à minute n'a parlé la guerrier, ni moi ni vous par contre qu'il est bureau l'état ou après tourner fonctionner dans bord de presse. Jusqu'à minute moi pour parler là, nous par contre qu'il est l'école université a réouvert dans la région métropolitaine. Jusqu'à minute, nous avons parlé là, ni moi ni vous, pas qu'on est. Nous même qui n'a couru, qui n'a abri provisoire là, qui n'a pas retourné dans l'espace. Non, pas qu'on est. Donc, l'on prend tout ça comme paramètre, je dis, ou t'as commandé, est-ce que pas une nécessité pour bombarder qui fait, ne serait-ce qu'à couper. Ça, nous avons eu l'assistance ponctuelle là. C'est vrai que, vous parlez de mission multinationale, ok, de soutien à la sécurité, MMSS, qui a dû venir incessamment dans le pays. Mais en garde tractation qui a fait autour de Fossa, en garde conditions qui a posé autour de Vini Fossa, que ce soit les États-Unis qui ont battu avec le Congrès américain, notamment républicain, pour décaisser l'argent pour permettre aux États-Unis lui-même financer Fossa, que ce soit le Kenya lui-même qui posait conditions économiques lui-même pour le déployer policier lui. Ou bien l'autre pays qui au même jeudi a discuté sous plus bon mécanisme pour contribuer dans force là, soit avec ressources humaines ou bien ressources matérielles ou bien ressources l'argent. Donc tout ça est important. Donc ça veut dire pas grand-chose si n'a pas bénéficié de force là dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an.
Donc voilà pourquoi il y a une nécessité pour qu'on bagarre qui fait. Ça n'est les bagarres qui fait là. Toute situation qui dégénère ou bien qui détériore entre jeudi 29 février et jeudi vendredi 15 mars là, qui ça nous a fait au moins pour nous bailler l'impression que nous voulons retourner dans la normalité des choses. C'est-à-dire pour l'école retourner fonctionner, pour bureau l'État relouvrir pour continuer bail service, pour permettre des fonctionnaires à le travail, pour permettre que des gens qui ont quitté la caillou, non c'est une zone retourner la caillou, on sait une entreprise qui a fonctionné, non c'est une espace pour permettre que vous retrouvez espace là. Donc qui ça qu'a fait, qui ça qui fait. Et ça c'est pour bail qu'a fait qui qu'a pris temps. Et ça m'a l'assistance ponctuelle là. Et malheureusement, il y a eu deux seuls. Malheureusement, dans tout ça qu'a discuté pour gérer après Ariel là, moi pas senti que yo capitalisé sous bala qui doit faire dans l'immédiat, dans l'urgence. En toute urgence, pardon. Comprenez bien? C'est vrai, yo parle de mission, yo parle de déploiement de la force internationale, yo parle de ça. Mais moi pas ou écoute ou mentionné qui ça doit fait qu'on y a la même. On parle de création et quelque caricom, quel que l'autre monde qui n'a proposition soit une prise à gauche à droite. M'pa ouè ça. Puis dit OK, nèg sa yo qui revendiquer ça qu'a fait dans la rue, nèg exam yo qui paraît en bas coalition vive ensemble qu'a frappé, moi pas un côté mis à part de Guy Philippe entendez qui parlait avec des médias internationaux qui évoquent en question amnistie, moi pas ouais on côté que groupe qui a discuté yo dit à court terme qui ça doit fait dans l'immédiat en toute urgence qui ça doit fait parce que force n'a pas l'air c'est bon bagage qui va venir jeudi à pour demain même l'entendre conditionner la mise en place de nouveau gouvernement c'est bon bagage qui a fait jeudi pour demain donc la pointe mais entre temps guerrier entre temps qui ça qui gagne comme formule, ok, pour mettre un frein dans l'agissement des examens qui ont même déterminé pour multiplier démonstration de force. Autrement dit, moi par un côté dans proposition moins lié ou bien qui public yo qui disponible yo dit mais ça pas des examens. Sous elle partagez là avec nous mais ça pas des examens. Or, aujourd'hui, à Kovle, le passe ou pas dans l'hypocrisie, ils sont acteurs dans ce qui a passé là. Comprenez bien, oui? Ils sont acteurs dans ce qui a passé là. Donc, aujourd'hui, ou pas qu'à envisager sortie de crise, sont pas dit la République, mais comme on décide d'aborder la question de non. Et pas sur le moyen ou bien long terme, non, qu'on y a la même. Parce que dans une minute, on a frappé, on a frappé tout. Par contre, vous comprenez? Pendant nous-mêmes, nous avons fait dilatoire, nous avons fait négociation, nous avons fait bataille pour pouvoir, et bien, nous-mêmes, il a frappé. Et sous-tend des porte-parole vivant ensemble, Jimmy Cherizier, qui a expliqué que nous-mêmes, nous n'avons pas au courant de ce qu'a fait au niveau de CARICOM. On dit ça, ça sous-entend? Il n'y a pas reconnaître. Ça sous-entend tout carrément. Même le Briganda et CARICOM n'ont abouti à un bagaille réel. Même conseil de ou bien conseil présidentiel n'a pas parlé à la, il est capable de difficulté pour gérer le pays. À moins que vous-même, vous avez un plan, vous n'avez pas dévoilé. Vous avez un plan qui concerne comment vous avez appréhendé, vous avez géré la question. Si c'est ça, ok. Mais si c'est ça qu'on a discuté là, concrètement, nous n'avons pas. Est-ce que nous avons un plan pour nous battre avec les gens pour nous faire rentrer les gens ou les est-ce que nous avons un plan pour nous négocier avec eux? Est-ce que nous avons un plan pour nous, pour pas connaître, mais faut la République connaître. Pas un accord, pas une proposition, pas un document qui signe là, qui propose, mais comment pour résoudre la crise d'à côté, moi je dis concrètement, dans l'immédiat, qui ça a fait avec Gang Aksamyo. Et pour moi-même, une proposition qui partait du code de ça comme volet, mon cher, c'est une proposition qui est très hypothétique. Et de fait, depuis mardi, nous avons discuté avec CARICOM, bataille fait dans le groupe pour vous représentant, vous baillez après 21 décembre jusqu'à jeudi à la pour vous on représentant, parce que vous même c'est trois mouns, vous même tellement pas entendre yo. Mais dans l'intervalle, qui soit fait, bandi yo a continué à faire exaction. Nèg Aksamyo a continué à faire exaction. Et qui devait discuter dans les couloirs là, il faut croire que
pays a capable de connaître des jours sanglants. Dans le jour qu'il y a venu là, dans la semaine qu'il y a venu là, bon, ce que nous pas souhaité. Mais pas gagner qu'à empêcher ça tout. Tout au moins, ce n'est pas gagner nous qu'à empêcher ça tout. Mm-hmm. Sauf que nous avons un grand intérêt, nous-mêmes, capitaine de là, j'ai m'habitué d'il, quel que soit ce qui est arrivé dans le pays, mais que je suis que nous vivant. Peut-être dans un mois, dans trois mois, dans une année, nous va témoigner. Oui, bonjour, messieurs, dames. Re bonjour, Johnny. Re bonjour. Tout